Aujourd'hui, je te parle du livre Bibook dans le cadre du défi que je me suis lancé, un mois, 30 livres de patchwork à découvrir. Si t'es nouvelle ici, pense à t'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Mais avant, générique! Bonjour, c'est Nadège de la chaîne Patchwork Facile. Bienvenue dans ce défi de 30 jours où je te présente chaque jour un livre de patchwork que j'aime et qui m'inspire. On prend une bonne dose d'inspiration, c'est parti! Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler du livre Bibook de Katel Renon aux éditions France Patchwork. Katel est l'auteur du blog La Ruche des Quilteuses. Son blog fête cette année ses 10 ans et c'est une véritable mine d'or. Chaque article nous fait découvrir un univers, une technique, une artiste, c'est vraiment très enrichissant. Pendant 6 ans, jusqu'en 2018, Katel a présidé la délégation France Patchwork de la Haute-Garonne. Depuis, elle a passé le flambeau et poursuit ses explorations textiles dans le patchwork moderne. Ses techniques de prédilection sont le patchwork libre ou libéré et les techniques de coupe moderne au cutter rotatif. Elle propose également d'intervenir pour des stages autour de projets de pinecone quilts ou de coupe libre justement. Avec son livre Bibook, Katel inaugure la toute nouvelle collection de livres de patchwork aux éditions France Patchwork. Le livre est composé de 4 parties. La première partie, un zeste de modernité. Dans ce chapitre, nous partageons les réflexions de Katel sur l'évolution du patchwork. Qu'est-ce que le patchwork moderne finalement? Au bout du compte, tout est relatif. Par exemple, en 1900 aux USA, les machines à coudre font leur entrée dans les foyers. Et cela propulse le patchwork machine. Aujourd'hui, des motifs classiques sont utilisés avec des tissus modernes et parfois dans des proportions complètement différentes. Et cela est pourtant du patchwork moderne. Je t'invite à revoir ou à découvrir la vidéo sur Victoria Findlay-Wolf pour découvrir justement ces pièces merveilleuses de patchwork moderne. Les quilts deviennent également des œuvres d'art qui s'exposent. Ce n'est plus simplement un ouvrage utilitaire, une couverture qu'on met sur un lit par exemple. Les quilts, enfin surtout les designers, se libèrent des conventions et des règles classiques du patchwork et réalisent des ouvrages vraiment extraordinaires. Katel nous fait cheminer à travers l'histoire moderne du patchwork pour nous amener à libérer et à exprimer notre propre créativité. La deuxième partie du livre, improviser et libérer sa créativité. Cette deuxième partie poursuit la réflexion du patchwork moderne autour de mots-clés. Le flow, tu connais cet état de bien-être et d'harmonie qui t'envahit lorsque tu es plongé dans une activité qui te fait du bien. Les vertus bienfaisantes du patchwork sont indéniables et il peut être utilisé comme une art-thérapie. Un autre mot-clé, la passion, en lien avec le droit à l'erreur et en lien également avec la notion de temps qui passe. Le livre est une ode au patchwork improvisé. Mais pour toutes celles qui n'ont jamais osé se lancer, parce qu'improviser fait peur, Katel nous donne son meilleur conseil. Nous devons laisser parler nos émotions. La troisième partie, raconte-moi ton quilt. Cette troisième partie est composée de 24 modèles et inspirations de modèles. Alors, tous les ouvrages ne sont pas expliqués dans les détails, car certains sont juste là, uniquement pour susciter le déclic, l'impulsion vers un nouveau cheminement personnel. Les modèles présentés dans le livre sont expliqués avec texte, explications, schémas et photos en gros plan. La majorité des modèles sont issus du groupe de quilteuses de Katel, bien connu sur son blog et qu'elle appelle les abeilles de la ruche. On y trouve également quelques modèles d'artistes internationales comme Lee Ann Decker, Sujata Shah ou encore Sophie Zog. Les projets de ce livre sont aussi bien des quilts piécés qu'appliqués. On y trouve des patchs avec des maisons, des moulins à vent, des arbres, des fleurs. On y trouvera également des choses beaucoup moins figuratives, des patchs avec des bandes, des croix, des diamants, des cercles et bien d'autres choses encore. La quatrième partie, petit secret entre amis. On retrouve dans cette dernière partie des explications techniques sur le cutter rotatif, la coupe à main levée, les coutures partielles, la broderie de miroir, le piqué libre, etc., etc. Tous ces éléments sont autant de petites choses à tester comme des exercices d'entraînement finalement ou de découverte de nouvelles techniques. Pourquoi j'aime ce livre? C'est une belle ouverture sur le monde du patchwork libre et cela nous permet d'envisager d'autres formes d'expression ou tout du moins de commencer à explorer ce monde merveilleux. Le livre est ponctué de nombreuses citations d'artistes et de personnalités choisies avec soin pour nous inspirer dans notre processus créatif. Comment ne pas résister à une phrase comme « On devrait toujours être légèrement improbable » d'Oscar Wilde. Ou encore «
une once de pratique vaut une tonne de théorie. Ce premier livre des éditions France Patchwork est une vraie réussite et on attend les prochains avec impatience. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé, ainsi que pour soutenir la chaîne Patchwork Facile. Si le livre t'intéresse, tu peux retrouver les références sur le site Patchwork Facile dans la rubrique Kit sur la page ressources. Le lien est dans la description. Dis-moi en commentaire si tu as déjà lu ce livre et ce que tu en as pensé. N'hésite pas à partager cette vidéo pour en faire profiter les copines. Je te dis bon patch et à bientôt. Ciao ciao.